Есть ли ток? Нет тока. Confrontés à la liberté, nous nous sentions perdus. Vide, atrophié, inapte à notre rôle. Сейчас будем фотографироваться. Так, все замерли, стали. Вот так, смотри сюда фотоаппарат. Так, хорошо. Готово, молодцы. Куда? Так, приготовились, будем фотографироваться. Замерли, смотреть всем сюда. Этого в госпитал отправлять надо. Хорошо, товарищ доктор. Тебя в госпитал, да? Госпитал. Только побыстрее, быстрее. M'envoie à l'hôpital. Pour ne pas oublier. Aussi. On trouvera un hôpital. Daniele, viens avec moi. Daniele. Daniele. On se reverra en Italie. En Italie. Ciao. Ciao, Daniele. Jesteście pewni, że pociąg jedzie na północ? Proszę pana, pociąg jedzie na północ do Krakowa. Kraków? Silence! Ciszyna! Direction pas bonne. N'est pas bonne la route. On va vers nord, à Cracovie, au lieu du sud. Restata. Excuse-moi. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit encore? Je n'ai pas le courage de répéter. Le peuple a faim à Cracovie. Les Russes aussi. Il n'y a rien à manger. Pire que dans mon pays, la Grèce. Maison et route, alles kaput. Tu comprends? Oui, je comprends. Les Russes ne savent pas où mettre les gens comme nous. Peut-être nous mettre nulle part. Ou bien ils feront comme les Allemands. Jaki problem? Cholera jasna. Ciśnienie pada. Może zakręcić? O matka boska. Maszyna kaput. Rozumiesz? Bon Dieu, bon Dieu. Machine capote. Machine capote? On y va. Allez, viens. Allez. Allez où? Où est-ce que tu veux aller? Bouge-toi. Prends. Mais c'est à toi, ça. Je sais bien, c'est à moi. Moi, j'organise, toi, tu portes. Division du travail. Plus tard, toi aussi, tu profiteras de ça là-dedans. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nulle part comme ça. Attends, je vais te faire voir. Quel âge tu as? J'ai 30 ans. C'est quoi ton travail? Je suis chimiste. Et stupide. Stupide et sans chaussures. Quand il y a la guerre, deux choses, n'oublie pas. Chaussures et manger. Celui qui a chaussures trouve manger. Pour les gens comme toi, il n'y a pas espoir. Mais la guerre va bientôt finir. Et tout deviendra beaucoup plus facile. Guerre est toujours. Italien. Il y a des Italiens là-dedans. Et moi aussi, Italien. Et tacto. Italiani et Spuskoi. Voilà. Merci. Ici, ce n'est pas un hôtel. C'est une caserne russe. On ne passe pas. Je viens d'Auschwitz. Je regrette, mais je ne peux rien faire. On ne passe pas. Pourquoi tu dis non? Et toi, là, d'où tu viens? Elada, Grèce. Oh, nous voilà bien. Tu n'es même pas italien, mais grec. Et la nourriture est rare ici. On n'a même pas de quoi donner à manger à nos soldats. Soldats, civils, et alors? Quelle différence? On est tous affamés. On n'a pas de toit, on n'a plus rien. Une nuit. Hein? Bon, d'accord. Mais juste une nuit. Dis, toi, écoute. Moins tu parleras, mieux ça vaudra, parce que beaucoup de ces garçons ont combattu la Grèce. Et s'ils apprennent que tu es grec, ils te font la peau. Il y a trop de rancune entre vous. T'as compris? Compris. Merci. Compris. Merci infiniment. Chut. Bon, alors il n'y a que moi qui parle, d'accord? D'accord. Je suis grec. Je m'appelle Mardonao. Toi, tu es grec? Calimera. Calimera, toi. Je vous présente Hélénos, Aristos, Thésos, Ankoulos. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ankoulos toi-même. Mais tu es... Mon Dieu, je te connais. Moi? On se connaît? Toi, aucune mémoire. T'es pélène et tu te rappelles. Hé, amis, écoutez. Belle nuit avec Lune, sur la colline, villa abandonnée, merveilleuse, merveilleuse. J'entre avec hommes de ma section, dans cuisine, table avec œufs, fromage, viande, oh la tapana. Puis au-dessus, j'entends des bruits de pas. Et tout à coup, il apparaît, le sergent. Peut-être pas toi, mais c'était toi, je me rappelle bien. 6 hommes, nous. 6 hommes, eux. Nous armés, eux armés. Et là, au centre de la table, tellement à manger. Ça va, j'ai compris. Ce type a faim. Alors j'ai dit à notre ami, pourquoi tirer? Tu tires, je tire, tous morts. C'est idiot de mourir comme ça. Bah, c'est une bonne blague. Eh, c'est la mort des cons. Asseyez-vous. Asseyez-vous avec nous. Asseyez-vous. Merci. Merci à tous. Assieds-toi. Mets-toi là. T'en veux? Ah oui, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau sale? Eh, hey, ami, quand je suis arrivé, j'ai entendu chanson. Qui chantait? Carmine et Croco, à votre service. Chante, Carmine, chante, et ce sera moins souffrance de manger cette... Comment ça s'appelle? De la crotte. Oui, de la crotte. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi nel vento con le rose, tanto è forte che non sfiorirà, non morirà. Io lo veglierò. Iréna est d'Athènes, et je veux l'épouser, ça je le jure. Ah, vous les Italiens, tous de Casanova. Povero amor. Forse te ne andrai, d'altri amori le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, forse un velo di tristezza troverai in me. Excusez-moi, lieutenant. Permettez? Bien sûr. Depuis combien de temps êtes-vous là? 20 jours. Quand est-ce qu'ils vont vous renvoyer en Italie? Allez savoir. Ici, personne ne comprend rien. On ne sait pas si on est leurs prisonniers ou leurs alliés. Avant, on était contre la Russie, des ennemis. Et là, on est leurs amis. C'est le chaos total. Un peu de vin? Oui. Merci. Merci. Et qu'est-ce qui se passe en Italie? Je n'en ai eu aucune nouvelle. Nous savons que l'Italie est divisée en deux. Et que nous, Italiens, nous nous entretuons. En plus, la plupart des villes du Nord ont été bombardées. Est-ce qu'ils ont bombardé aussi Turin? Turin, je n'en sais rien. Tu es de là-bas. Merci. Allons-y. C'est mal de se faire entretenir par les Russes. Le pain pas gagné vous fait devenir esclave. Et moi, je suis homme libre, comme tous les Grecs. Pour les Russes, sous le tsar ou sous Staline, esclavage est normal. Et tu sais pourquoi? Non. Non, j'en sais rien. Dis-le-moi. Les Russes ne sont pas tous européens, comme nous. Beaucoup de Russes sont asiatiques. Et asiatiques, pour avoir vie tranquille, acceptent tout, même tyrannie. Nous, Grecs, jamais. On a eu peur de Cyrus, on a eu peur de Xerxes. Alors pourquoi avoir peur de Hitler ou de Staline? Même méga Alexandre le Grand, est venu et reparti. Ils repartiront aussi. L'histoire est une, le monde est un. Tout est répétition, mon ami. Hey. Viens ici. Un œuf coûte 5 zloty. Beignet 10. Chaussettes 13. Pantalon bien plus. Comment tu sais ça? Parce que je ne dors pas. J'ai demandé prix à la caserne. Je pense avant au problème, pas après. À ton tour. De quoi? De vendre. Je suis pas un marchand. Pas... Je connais pas la langue. Chemise et cochoula. Ça coûte 50 zloty. Tu demandes 100 zloty. 100 zloty. Les gens, ça se dit... Panovier. Panovier. Vas-y. 100 zloty. Cochoula. 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 Good cochoula. No cochoula. Cochoula. 100 zloty. No? Cochoula. Cochoula. 100 zloty. Panowie, panowie, koszula! Koszula. 100 złotych. A sinon? Regardez. Koszula, 100 złotych. Français? Italien. Ah, moi, Je ne parle pas bien votre langue, mais je comprends. Oui, moi j'ai des clients qui importent d'Italie. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Pour ça, l'étoile. Hé, dites-leur bien que je viens d'Auschwitz, que je suis juif et que j'ai besoin de vendre cette chemise pour manger. Dites-leur, je vous en prie. Je vous en prie. Non, vous avez dit politiciens, prisonnier politique, et non Jude. Non Jude. Pourquoi vous ne leur avez pas dit que je suis juif? À Auschwitz, une ville tout près d'ici, il y avait un camp plein d'innocentes victimes. Des hommes, des femmes, des mères, des enfants brûlés. Brûlés dans les fours crématoires. D'énormes crimes. Énormes. Pourquoi vous ne traduisez pas, je vous en prie? Traduisez, Jensi. Ça bite, Jensi. Jensi. Vraiment, vraiment. Bon, ça bite. Ne parle pas d'Auschwitz. Les gens ne veulent pas savoir. Les gens veulent oublier. Il nous faut accepter ça. Il faut vivre. Et pour vivre, il faut manger. Mais toi, tu n'es bon à rien. Attends une minute. Excusez-moi, parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Pater optime, ego captivus eram. Nihi portat in venire panem. Es judeus? Pater, ubi es mensa pauperorum? Secunda, ex de comando. Gracias. Gracias. Tu n'as pas mérité. Lui, c'est peut-être Démétrios, mon fidèle ami. Marchand juif de Salonique, comme moi. Démétrios croyait que dans tout animal, il y a un homme qui a péché dans une autre vie. Dans le cafard, il disait, « Il y a toujours un esprit qui a vécu de trafic et de fraude. » Tu crois en la réincarnation? En grec, on dit « métempsychosis ». C'est le rapport entre l'âme et le corps. Tu le sais, n'est-ce pas? Oh oui, je le sais. Tiens, par exemple... Tu vois, moi, la panse pleine, j'ai un grand désir tout à coup de parler de Dieu. Et ça, c'est le rapport entre l'âme et le corps? Exact. Où va mon âme quand corps mourir? Au ciel ou chez les vers? Ça, c'est mystère, hein? Qu'est-ce que tu dis? Pour moi, je dirais chez les vers. Ça me plaît pas ici. Peut-être. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on ait trouvé la voie ferrée. Mais dans quel sens est l'Italie? Alors ça. Avant qu'ils font partir le convoi, les Allemands seront revenus. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Mais comment ça, tu t'en vas? J'ai porté ton sac tous les jours. Et là, tu m'abandonnes? Je vois que tu n'as rien compris. Compris quoi? Toutes les choses que je dis. Tant pis pour toi. Un jour, peut-être, tu comprendras. Au moment de notre séparation, je ressentis envers le grec un bref élan d'amitié, teinté d'une gratitude ténue, de mépris, de respect, de curiosité et du regret de ne plus le revoir. Excusez-moi, non, je ne comprends pas le russe. Non, où vous m'emmenez? Non, attendez. Non, attendez. Nous allons. Qu'est-ce nous emmène? Quelqu'un parle ma langue ici? Quelqu'un me comprend? Où allons-nous? Vous, colonel Revi, vous êtes responsable de la discipline de tous les Italiens ici. N'oubliez jamais ça. Да, да. Дважды не повторяю. Запомни это. Excusez-moi, colonel Revi. Qui es-tu? Je suis italien aussi. J'ai faim, colonel. On a tous faim! Et puis regarde-moi ce bordel, avec toutes ces bonnes femmes! Les Russes, c'est pas des rigolos! Hommes et femmes, bien séparés, de chaque côté! T'as entendu? Séparés! Séparés! Exactement. Qu'est-ce que tu sais faire, toi? J'ai un diplôme de chimie. Ah oui? Et t'en ferais quoi, ton diplôme, ici? On m'a dit que c'est vous qui décidiez de tout ici et que c'est vous le grand patron des Italiens. Bien sûr, mon vieux. Tu as un problème? Va voir le colonel Revi. Alors, je suis même pas colonel. T'as vu cette vareuse? Elle était sur le dos d'un colonel russe. Le colonel russe mort, évidemment. Je la lui ai piqué. De toute façon, il n'en avait plus besoin. Tiens. Merci. Chimiste, tu as dit? Oui. Bon, alors viens avec moi. Amène-toi, suis-moi. En principe, c'est moi qui dois faire respecter la discipline chez les Italiens. Mais c'est des mots, tout ça. De ce côté-là, tu vois, on a une centaine de femmes. Eh ben, regarde un peu ce qu'ils ont décidé de faire, les Russes. Ils nous ont fait couper le camp en deux avec des barbelés. Et c'était nécessaire? Absolument! Tu connais ces trucs-là? T'es un savant, non? Les hormones mènent les hommes, la liberté réveille l'essence. Major, c'est le commandant du camp. Il s'appelle Egolov. Mais c'est quel genre de camp, ici? On est prisonnier de l'armée rouge? Qu'est-ce que c'est? Un camp de transit, ça s'appelle. Disons qu'on y fait le regroupement et la sélection de tous les prisonniers libérés des camps nazis. Quand vont-ils nous renvoyer chez nous? C'est réglé. Je leur ai dit que tu es médecin. Ce qui est vrai dans un certain sens. Tu vois? C'est un bec benzène. Ah oui? Et alors? Il y avait trop d'oxygène, la flamme était bleue. À cette température, le pot aurait éclaté. C'est normal. Tu viens? Allez, tu viens? Bon, Maria Fiodorovna, voilà le docteur. Мы получили новые médicaments. Их надо упорядочить, придется писать. Вот вам ручка. Elle dit que tu dois répertorier tous les médicaments qui arrivent au camp. C'est pour ça qu'elle te donne ce stylo. Merci. Galia! Galina! Galina va venir. C'est une infirmière qui parle notre langue. On peut compter sur elle. Pendant 2 mois, elle a soigné nos prisonniers en Russie. Moi, je... Alors toi, tu restes là, hein? À tout à l'heure. Mais... Alors, c'est moi qui t'aide à faire ton travail. Tu t'appelles? Primo. Primo. Ah, comme ça? Numéro 1. Oui, c'est ça. Comme 1. Au secours! Le docteur! Le docteur! Il va mourir! Qu'est-ce qu'il est malade? Отойдите, пожалуйста, все, отойдите. Эпилепсия! Эпилепсия! Comme ça, tout d'un coup, il a fait une crise. Et что случилось? Il y a des convulsions. C'est médic. Cesare, calme-toi. Cesare, tu calmes. Tu calmes. Oh non, non, non. Ah non, c'est moi, c'est moi. Attends, mon calot, mon calot. T'aurais une cigarette? Все депортированные должны работать. Это приказ Москвы. Il dit qu'il en a marre des Italiens. Tous les jours, il faut qu'ils nous fassent chier. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Allez, active et va bosser avec les autres. Ordre de Moscou. Mais moi, je travaille. Je travaille. Je dois travailler ici. J'ai même le stylo! Hé, hey, Umberto! Qu'est-ce qu'il y a? Le pauvre vin! Je ne pourrai plus jamais jouer! Elles sont comme de la pierre. Et c'est maintenant que tu t'en aperçois. Oui, seulement maintenant. À Auschwitz, ça m'était égal. Là-bas, je pensais à mourir. Mais plus maintenant. Maintenant, je veux vivre. Non, allez. Tiens, mets ça. Prends-les, quoi. Rabota, oui. Bon, on y va. Aïe. Primo, on y va. Viens, Roger. Je suis démarqué. Silence. Qu'est-ce qu'il y a? Je rêve ou vous l'entendez, vous aussi? Je la connais, cette chitouchique. Eh, ça vient de par là. Venez, on va voir. Hey, faut pas rater ça, hein. Madame, vous vous souvenez de moi? Moi, docteur. Là, voilà. Regardez, votre stylo. Vous vous rappelez? Итальянский docteur. Oui, à l'infirmerie. Ты приходи завтра. Солдаты уехали, некому работать. Будешь работать ты. Je travaille? Да. Je reviens? À l'infirmerie? Приходи. Спасибо. Merci. Merci infiniment. Ça me fait très plaisir. C'est vraiment une histoire de fou. Pour moi, les Russes, ils sont tous dérangés. Vise un peu celui-là, ce qu'il fait. Qui sait? Mais regardez, on dirait... Pareil que Fred Astaire. Oui. Je me souviens très bien du film. La musique, vous voyez, elle ne connaît pas de frontières. Elle ne connaît pas de guerre. Le poète a parlé. Même pas normaux, les Russes. Mais pourquoi tu dis ça? C'était beau, non? Qui c'est qui a inventé la roulette russe? Les Russes, non? Ah oui. Eh ben voilà. Il avait pas de canne, il s'est servi de son sabre. T'avoueras que c'est une bonne idée. M'en vient une d'idée, moi. Vous avez à bouffer? Tu penses qu'à ça, toi? T'as pas une cigarette? Tu veux que je t'enroule une? Camp de sélection de Katowice, avril 1945. L'armée rouge fonce sur Berlin. Le gros des troupes qui étaient ici est parti pour le front. Ce départ a été ma chance. Cette pénurie d'hommes a fait qu'aujourd'hui, j'ai été rappelé à l'infirmerie. Acide acétylsalicylique. C'est pour faire tomber la fièvre. Ça, c'est... Ça, c'est un désinfectant intestinal. Et ça, c'est une pommade pour les brûlures. Et là, il y a du permanganate de potassium. On s'en sert quand un homme va avec une femme qui est infectée. Syphilis? Pas exactement. La médecine appelle ça blénorragie. Tu es un étrange docteur. Étrange? Pourquoi? Galina! Ну как он? Очень серьезный. А почему тебе не взять его с собой в гости? Сегодня в 9 вечера, а? Ладно, отлично. Elle dit que elle invite nous à son appartement à 9h ce soir, quand elle finit son travail, son inspection. Moi aussi? Tu es sûr? Oui, toi aussi, docteur. пригласила итальянского доктора. Здрасте. Это мне? Ой, боже. Спасибо, спасибо, дорогой. Проходите. Майор, заходите, не стесняйтесь. Il n'y avait personne, alors je me suis permis d'entrer. Да я не понимаю ничего. Майор, помогите-ка мне шинельку снять, а? Спасибо. Спасибо. Ну что ж, начнем, как говорится, да? Майор, это вам. Боевые. Пожалуйста, садитесь, располагайтесь. Спасибо. А это вам. Прошу вас. Спасибо. Мы вас сейчас оставим, там порежем кое-чего в салатик, приготовим. Галя, Галина, а тут наша кухня. Мы тут варим хороший вкусный русский суп. Мы ж макароны не едим. Варим хороший вкусный русский суп. Вот так вот. Так нельзя. Не-не, у нас не так. Знаешь как? Глоток. Ага, глоток. Ам. На здоровье. Поставь там, а? Поставь. Пахнет хорошо. Галя. Поставь. Галина. Пахнет хорошо. Красавица. Дай посмотреть, а, Галочка. Спасибо, спасибо, дорогой, проходите. Вот так вот. Галочка, вот стаканчик. Суп готов, прошу к столу. Вот огурчики. О, Галочка, вот стаканчик твой. На тебе, дорогая. Но это мне. Ну, за молодость, а? За молодость. Qu'est-ce qu'il a dit? À la jeunesse. Будьте здоровы. Jeunesse. Ночь светла над рекой, тихо светит луна и блестит серебром. Голубая волна, темный лес, там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. К тебе грезой лечу, твое имя шепчу, милый друг, нежный друг, по тебе я грущу. Je n'aurais jamais cru que toi, tu oserais me regarder nue. Docteur. Oh. T'as vu? Elle nous a baisés tous les deux. Moi aussi, elle m'avait dit de venir. Elle a juste oublié de nous filer un numéro, comme au bordel. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es amoureux? Enfin quoi, c'est une pute. Pas ça. Je t'en prie, arrête. Ah bah, je me suis gouré. Mais comment tu peux tomber amoureux dans un endroit pareil? Non mais oh, t'as vu où on est? Et lui, il s'amourache. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on revienne au pays. Et toi, t'es là à baver devant une espèce de blondasse. Des merdes à te faire. Toi et moi aussi, remarque, parce que je perds mon temps avec toi. Primo, Primo, Je t'en prie, allez. Je t'en prie, rigole. Si tu veux rentrer chez toi, article 1, rigole. Hein? Article 2, question femme. Ceinture. Qu'est-ce qui se passe? Dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Платочек-то с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Пока! Репатриация через порт Одесса! Ça y est, on rentre! On rentre tous chez nous! On est mal comme ça! On rentre tous au pays! C'est bon! On rentre! C'est bon! Ту-ту. Train. Казатин. Казатин. Домой. Maison. Galina, rentrée dans la famille, à Казатин. Да. Ты просила, чтобы я тебя поцеловала, доктор ты мой дорогой. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut rentrer chez nous s'il n'y a pas de wagon? Il prétexte qu'il ouvre. Et les wagons, les voitures, les canons, les wagons. Mais c'est quoi, Boudoud? Est-ce qu'ils se pointent ces wagons? Traduis, merde. Oui, ils arrivent, j'ai compris. Mais quand? On a la locomotive et on n'a pas les wagons. Et si en plus, faut qu'on attende les camions qui arrivent des autres camps. Ah la vache. Allez, viens, on va se trouver quelque chose à bouffer. Belle musique, hein? Allez, viens. Oh, tu viens? Je suis italien. Italien. Toi pas être italien. Moi, je connais italien. Moi, avant le Ankoulos, j'étais à Saxonburg, tout près de frontières italiennes. Italiens, ils ont plein cheveux noirs, passion dans les yeux. Tes yeux, ils n'ont pas passion. Toi, tu es croate. Comment ça, croate? Nous sommes de vrais Italiens. Bien sûr. Seulement, nous arrivons d'un pays où on a oublié les passions, la famille, les idées, la culture, tout. Où est-ce? Où ça? Auschwitz. Oh. Kommen Sie herein, bitte. Bitte. Ein Momentchen, bitte. Oh, nehmen Sie Platz. Ah si, pas debout. Oh, ich bringe einen Stuhl. Bitte. Dankeschön. Ah si. Oh, um Gottes Willen. So, jetzt ein Bier. Essen Sie. Merci. Quand Hitler a décidé la guerre, contre le monde entier, j'ai écrit à lui une lettre. Alors, j'ai traduit. Cher Herr Chancelier, vous faites une grosse bêtise. Plein de milliers d'innocents vont mourir dans la guerre et vous perdre cette guerre. On ne peut pas y combattre contre tous. J'ai signé la lettre et j'ai attendu qu'une réponse arrive. Et elle est arrivée? Non, mais les SS, oui, ils ont détruit tout autour de nous. Alors j'ai quitté l'Autriche avec mon cher mari. Il ne voulait pas que j'écris la lettre. C'était un homme bien, mon Hermann. Et ça, c'est tout. Oh, son violon, c'est tout ce qui me reste de lui. Ça fait un beau souvenir, hein? Un verre d'eau. Tiens. Pour moi? Oui. Tu te fiches de moi? Ben, tu joues bien du violon. Ouais. Et il joue maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as... Quoi? Tu l'as volé? Eh oui, la vieille joue pas du violon, alors il aurait été bouffé par les vers. Tu l'as... Ah, chapeau, bien joué. Daniele. Vas-y, joue. Daniele. Il joue. Il partit enfin, ce train chargé d'espérance. Nous nous sentions de bonnes mains, loin des doutes ou des incertitudes. À Odessa, le bateau nous attendait. Mais une fois qu'on sera à Odessa, on aura encore un sacré bout de chemin à faire. Faudra passer par le Bosphore et les Dardanelles. Ça fait une trotte. Eh, j'ai été sur le Bosphore. Quoi? Oui, quand j'ai fait la marine. Je me rappelle la nuit, c'était plein de lumière. C'était magnifique, vraiment. Oui, mais une fois qu'on sera sur ce beau... ce truc-là... Bosphore. Bosphore, je sais. Combien de jours de mer on a à vol d'Italie? Bah, ça dépend de la météo, de l'itinéraire, et puis ça dépend de... Mais je sais qui sera le premier à mettre pied à terre. Et le premier, si je peux me permettre... à se faire une bonne bouffe et une bonne... Et qui ce sera? Toi? Je veux, oui. Ah, sacré toi. Ferrari. Je suis sicilien, je suis de Messine. Et alors? Et alors? De chez moi, on a vu sur la mer. Mais si vous passez par là, vous me verrez. Sur mon balcon. On sera là tous en famille, attablés devant un plat de pâtes géants. Des pâtes aux sardines balèzes comme ça. Comme ta femme. Pauvre pauvre. Remarquez, si vous ne me voyez pas, c'est peut-être que ma femme et mes gosses, ils sont plus là. Mais ça va pas d'Agatha, t'es fou, quoi. Oh, c'est comme je vous le dis. Qu'est-ce qui te prend? Vous êtes sûr que nos familles sont encore en vie? Hein? Où tu étais pendant tout ce temps? J'étais à l'hôpital. J'avais une pneumonie. Et là, tu te sens mieux? À Venise, nous vivions tous dans une grande et belle maison. Papa et maman au dernier étage. Et en dessous, mes frères et moi avec leurs femmes et leurs enfants. Nous étions 31 en tout. Il n'y a que moi qui sois en vie. Pourquoi Dieu m'a-t-il épargné? Pourquoi a-t-il voulu cela? Dieu ne peut pas exister. Si Auschwitz existe. On entré dans l'Union soviétique. Je vais voir ce qui se passe. Apportez à bouffer. Oui, oui. Освободить поезд. Он нужен военным. Давай. Да, да. Tout le monde descend, ils ont réquisitionné le train. Il est pour les soldats russes. Et nous alors, on repart quand? Qu'est-ce que j'en sais? Et pour bouffer alors, ils nous ont filé que dalle, les rousquilles. Je vais voir ce que je peux faire. J'en occupe. Bout du calme, hein. Du calme. Hé, ne touche pas, toi, fous-moi la paix. Si jamais tu vas à Milan, je te fais ta paix. Fais gaffe, il cogne. Ça, c'est ta famille? Hé, saligo, espèce de fumier, va. Arrête avec ça, fais pas ça, je t'ai dit. Faut que je m'entraîne. Excuse-moi. T'as compris, fais pas ça. Mais si, au contraire. Sinon, j'ai les doigts tout rouillés. Ah ben, on dirait pas. T'as des doigts de velours, oui. Comment veux-tu qu'on pique un type comme toi? Pourtant, c'est arrivé. À cause d'une vieille pique. J'étais dans un tram. Je faisais le pickpocket, du travail d'artiste, de la dentelle, un bijou. Et là, tout à coup, j'entends une bonne femme tout près de moi qui se met à beugler. On me vole! C'est lui qui vole! C'est lui là qui vole! Je l'ai coincé, je l'ai vu! Moi! J'étais tombé sur la pire garce qui puisse exister sur Terre. L'altruiste. Bah moi, vous voyez, la seule fois où j'aurais dû m'évader, bah je l'ai pas fait. Je m'en suis rendu compte 1 minute trop tard. Pourquoi? T'es pickpocket aussi? Non. Non, moi, je suis juif. Je fabrique des matelas. J'ai jamais eu de chance. Le jour où les nazis sont venus dans le ghetto, j'avais 3 matelas à livrer. J'ai donc baissé le rideau. J'ai regardé le ciel, il était noir. D'un noir d'encre. Je me suis dit en moi-même, s'il se met à pleuvoir, adieu les matelas. J'ai rouvert le magasin, j'ai cherché une bâche pour les recouvrir. Et c'est à cause de cette conne de bâche qu'ils m'ont piqué. Oh, merde, qu'est-ce que tu joues, là? Moi, je vous raconte un truc à chialer, et toi, tu nous serines ta musiquette. Mais change tes disques, quoi, fais-nous pleurer, non? Ouais, t'as raison. N'en veux pas, je m'excuse pour tout à l'heure. Oh, c'est vrai. C'est ici. Nous, on est grosso modo dans ce secteur. Et il faut qu'on aille là, en haut, jusqu'à Minsk. C'est plein nord. Plein nord? C'est au nord. Non, mais arrête. En principe, tu devais nous ramener au pays. Et là, tu nous fais faire une virée d'enfer. Mais qu'est-ce qui nous vole? La guerre est finie, maintenant. La voie est bonne à partir de Starie Dorogi. Et c'est pour ça qu'on va là-bas. Est-ce clair? Mais oui, c'est clair. Il nous envoie vers une voie qui n'est pas coupée. J'espère. Oh. Putain. Ah la vache, à 2 pas qui disait. Et il faut qu'on remonte jusqu'à Minsk. Allez, par là, vers Minsk. C'est sûr que Minsk, c'est pas la porte à côté. On y arrivera, si Dieu le veut. Allez, du courage. Eh, la voie est là. Où ça? Là-haut, là. Allez, on y va. Allez, Ferrari, allez, allez, le train est là. Oh, bordel de Dieu, encore une fois de coupé. Ils ont tué. Hast du Brot? Zum Essen? Brot. Brot zum Essen. Brot, bitte. Les prisonniers allemands nous demandèrent du pain. Nous refusâmes, parce que notre pain était précieux. Mais Daniele ne refusa pas. Daniele, seul survivant de la rafle du ghetto de Venise, et qui depuis le jour de la libération se nourrissait de sa douleur, tira un pain et le posa à même le sol, attendant qu'il vienne le déchiqueter à ses pieds. Excuse-moi, comment ça, t'étais juif et tu ne le savais pas? Oui, c'est pas que je le savais pas, mais ce que veut dire être juif, ça... Je n'ai compris qu'à Auschwitz. Pourquoi on t'a arrêté? Oh, pas parce que je suis juif. J'étais dans les montagnes avec d'autres partisans. Nous étions un petit groupe, en grande partie des étudiants. Il y avait des professeurs aussi. Nous n'avions jamais tiré un seul coup de feu. Des débutants. Nous n'avions pas la moindre expérience. Forcément. Une grave erreur. Eh, les erreurs, ça coûte cher. Et je peux en dire autant. J'étais déjà en prison, à Milan. Je suis pickpocket, ça je sais. Je sais, tu me l'as dit. Je suis doué. Et un beau jour, les Allemands ont dit « Liberté à celui qui va travailler en Allemagne ». Je me suis décidé. Et voilà, je suis là. Pourquoi moi, dans un camp de concentration? Pour toi, c'était pas pareil. Enfin, toi, t'étais un subversif, un partisan et un juif. Te vexe pas, mais... comme vous tous. Mais moi? Pourquoi moi? Tu te rends compte que le seul innocent comme un agneau, c'est ton serviteur, Ferrari. Sacrifié. Ah, putain de nazi. Mais là, il y en a marre. Laissez-moi ici, je vous en supplie, je mens. J'en peux plus. Je te jure que si je m'en sors, j'achète une conduite. Je le jure, mais laissez-moi là. Laissez-moi là. Oh, Ferrari. Laissez-moi là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'écroules? Allez, lève-toi. On retourne chez nous, là. Non, on y retourne. Tu parles avec ma guimauve. Bon, allez. Hé, regarde là-bas. Non. Il y a de la fumée, tu vois. Et s'il y a de la fumée, il y a des gens. Non? Allez, viens, on y va. Eh bien. Allez. Ah, vous avez vu, hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? Quand il y a de la fumée, il y a toujours quelqu'un. Là, il y a une cabane, mais il n'y a pas un homme qui vive. Peut-être qu'ils dorment. Ils se couchent comme des poules, les paysans. Eh ben, on les réveille. Regardez, il y a de la lumière. Moi, j'en peux plus. On va s'arrêter là. Chut. D'abord, on se repose. Et puis, quand on aura bien soufflé, on se dégotera une belle petite poule rôtie. Une poule? Une poule? Il a raison. Où tu vois une poule? Mais laissez-moi faire. Non, et puis voler ces gens-là, c'est comme voler à l'église. Mais qui c'est qui vole? Vous deux! Tu parles. Mais faut gueule, je m'en occupe. Hé! Hey. Oh! Oh! Nous, Italianski! Gentil Italianski! Ami, ami! Ami! Miam, miam! Essen! Miam, miam! Fin! Il est fou! Oh la vache, il nous tire dessus, le con! Ami! Oh. Oh, toi qui connais tout, explique-lui, hein, parle-lui à cette espèce de bourrin. Je parle pas russe. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tant pis, t'inventes. La paix, Pax. Nous, la paix. Paix. Pas guerre avec nous. Nous avons faim. Ich habe Hunger. Je voudrais manger. Manger. Comer. Ouais. Oui, comment? Gouane! Essen! Wow! Chut, Primo! Primo! Un moment! Les gamins, fais passer pour une poule! T'insistes bien à une poule, insiste! Elles sont pour vous, pour vite, toi! Passez-moi les gamelles, vite! Tu donnes la poule, poulet, dit poule. Comment on dit poule en russe? On dit poulet. Merde, je me rappelle pas. Pilette. Poulet, poulet, hein? Hein? Il le fait bien, n'empêche. Poule. Hein? Курица. 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 Mais bien sûr, c'est Kouritsa. Спасибо. Kouritsa. Kouritsa, oui. Ami. Le fils de pute. Daniele, tiens. Primo, vu que toi, tu parles couramment le russe maintenant, aide-nous. Moi? Eh oui, essaie de voir avec le Pecno si on pourrait pas se mettre à l'abri. Non? Oui, c'est une bonne idée. Bon, bon. Eh, Cesare, d'accord. Envoie un autre morceau. Je t'ai dit un morceau, pas une lichette. Une minute. Oh. À moi aussi un bout de fromage. Faut jamais faire confiance aux ploucs. Évidemment, pour eux, tout est à deux pas. La bouseux, je te liquiderai ça, moi. On s'arrête un peu. Primo, t'es sûr d'avoir bien compris? Cesare. Quoi? Regarde. Oh, il y a une maison. Allez, on y va. Le grec. Tu le connais, ce type? On n'oublie pas ces chaussures-là. Mais qui c'est? Un homme qui, en une seule journée, a été pour moi, le matin, un maître, à midi, un professeur, et le soir, un grand frère. Karimera, Mardonao. Kalimera, j'étais sûr que tu viendrais tôt ou tard. Vous comprenez quelque chose, vous? Qui c'est, lui? Oh, t'as vu ce que je vois? Elle travaille pour moi. Natacha? Hello! Toute belle, hein? Elle te plaise? Toi, tu as besoin d'une femme. D'une femme? Peut-être deux? Peut-être même 6, 7. 10 roubles, les amis. Toute saine, fraîche, propre. Et pour toi, gratis. Où sommes-nous ici? Comment? Ici, on est où, ici? Starie Darogue. Et les baraques que tu vois, elles s'appellent Maison Rouge. Oh, oh, c'est pas tout. Bon. Allez, on y va. Allez, on y va. Vous l'avez dit, il faut toujours me faire confiance. Ça va, avance. Sonia. Tiens, Maison Rouge. On y est. Grâce à Dieu, cette fois, on est arrivé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Cette nuit, il faut qu'on s'arrête ici. Chez une demoiselle du grec. Il a de ses copains, lui. Sinon, elles vont le prendre mal. Qu'est-ce qu'il y a? Quand le dernier train est passé ici, le tsar, il tétait encore sa mère. Revi, colonel Revi, c'est de ta faute si on est bloqué ici. Ma faute? Ouais. Ordre de Moscou. Moscou, mon cul, c'est toi qui nous as amenés ici. Oui. Regarde, regarde, t'appelles ça une gare, toi? Il a raison, c'est quand même toi qui nous as dit qu'un train passerait. S'il y a des voies, un train passera forcément, non? Il passera, mais quand? Les gars retournent tous dans leur pays, mais pas nous. Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer, Revi? Revi, colonel Revi, responsable de nous, les Italiens. Responsable de mes couilles, ouais. On ferait beaucoup mieux d'essayer de savoir où on est. Au lieu de passer notre temps à nous disputer comme des chiffonniers. Bon, allez, à tout à l'heure. Daniel, tu demanderas au chef de gare si la consignale marche. Allez, on y va. Colonel. Si jamais tu viens à Milan... Allez, Tata. Fous-moi la paix. Comment est-ce que c'est? Pas la gueule. Ça suffit! Ne leur réponds pas, Irina. Ils font les malins. Pousse-toi, je vais t'aider. Arrêtez! Permettez! Excusez-moi, laissez-moi passer une minute! Une minute! Irina! Irina, dis-les! Molokou! Molokou! Molokou? Irina! Irina! Tu sais que tu es belle comme une fleur. Hein? Bah, dis donc. Hey, t'as vu? Ah, oh, Cyrus. C'est un morceau que j'ai écrit il y a des années. J'étudiais la composition au conservatoire. Mais quand je l'ai présenté, les examinateurs ont dit que c'était un plagiat de I Pagliacci. Écoutez. D'accord, sur quelques notes, c'est pareil. Mais quelques notes sur un passage de près de 6 minutes. Ils m'ont recalé quand même. Ça vous paraît juste? Si c'était pareil, c'est sûr. Et ça, tu connais? Oui. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano. Zurück zu deinem stinkenden Gesinde und heul nicht! Ja genau, sei doch froh, jetzt fließt auch noch arisches Blut in deinen jüdischen Weg. Immer was fliegt. Los, los! Schnell! Messieurs, dédiés à la nature, nous avions oublié comme le monde peut être beau. Les jours passèrent dans une interminable indolence, une somnolence salubre comme de longues vacances. simplement rompues de temps à autre par l'évocation douloureuse du foyer lointain et par l'enchantement de la nature retrouvée. Alors, ça te plaît? Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce cutéreux? Je prends. Oh, fais voir. J'ai deux raides. Je suis peut-être voleur, mais tricheur, jamais. Et celle-là? Hey, chasseur alpin, mon petit blondinet! Retourne dans tes montagnes! L'eau, c'est pas bon pour toi! Ah, il est jaloux! As! Oh, mais voilà un veau magnifique. On en mangerait. Non! Doucement, à la fois. C'est pas. Il y en aura pour tout le monde. Tiens, c'est pour toi ça. Ferrari, on peut continuer? Ouais. T'es sûr, hein? Non, 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 pas à elle. Il faut rien lui donner à elle. Toi, à Auschwitz, t'as mangé du pain des SS. Il faut rien lui donner à celle-là. Fous le camp. Reste pas avec nous. À Auschwitz, le pire qui nous est fait, ça n'a pas été de nous refuser le pain, de nous torturer et de nous ôter la vie. Le pire, c'est qu'ils ont tué notre âme. Auschwitz, abolis en nous toute pitié pour ne laisser place qu'à la haine. Et même la haine entre nous. Быстрее, быстрее, быстрее. Таня, а то опоздаем. Соня. La division est prête. En route, milady. Le long de la route, devant nous, passaient des lambeaux de l'armée des vainqueurs. Les soldats de l'armée rouge, cléments en temps de paix, atroces en temps de guerre, rentraient chez eux. Où tu les emmènes, toutes ces femmes? En Grèce. J'ai le droit de partir avant vous. Mon pays fait partie des Nations Unies. Le vôtre, non. Et comment ça, le nôtre, non? Qu'est-ce que tu racontes? Vous, Italiens, vous avez perdu la guerre. Ah oui, parce que vous, les Grecs, vous l'avez gagnée, peut-être. Adieu, mes amis. Adieu. La forêt qui entourait le camp exerçait sur nous une profonde attirance. Peut-être parce qu'elle offrait, à qui le cherchait, l'inestimable bienfait de la solitude. À Auschwitz, les enfants étaient des oiseaux de passage. Quelques jours après leur arrivée, ils étaient directement transférés dans les chambres à gaz. Vous qui avez été libérés des fascistes nazis par l'armée rouge, le train qui vous ramènera chez vous est prêt. Nous avions résisté. Après un an de camp, de peine et de patience, après le gel et la faim, après les maladies et la misère, après des pérégrinations insensées, après l'oisiveté et la nostalgie, après tout cela, nous avions gagné. Hey, Roby, le petit ! Oh, le petit ! Allons, Irina. Pleure pas comme ça, voyons. Je reviendrai, je t'écrirai, puis tu viendras me voir à la maison. Je te présenterai ma mère, tu verras. Je te le jure. Non, 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 pleure pas. On y va. Irina! Et qu'est-ce que tu as? Tu pleures à cause de ce pecno. Me laisse tomber, tout passe. Même la guerre est finie. Allez, allez, mange. Ne te pas. Tu es fou, quoi. Une femme qui pleure. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, arrête. On se reverra! Tôt ou tard! À Rome! Je vous le jure! Je reviendrai, je vous le jure! Je vous souhaite à tous bonne chance! À bientôt! À Rome! Ciao! Ciao! Je suis sûr que si toi, tu as été épargné, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je n'ai pas l'impression que je suis très proche de Dieu. Il t'a épargné parce qu'il voulait que tu écrives. Que j'écrive? Que j'écrive quoi? ça. Si ce que tu dis est vrai, si j'ai vraiment été sauvé à la place de quelqu'un d'autre, alors écrire m'apparaîtrait comme un atroce privilège. Nous étions arrivés en terre allemande, là où tout avait commencé. Il nous semblait avoir quelque chose à dire, énormément à dire, à chaque soldat allemand. Et il nous semblait que chaque soldat allemand avait beaucoup à nous dire. vous qui vivez en paix bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant table mise et visages amis, demandez-vous si c'est un homme, celui qui travaille dans la boue, qui ne connaît nul repos, qui lutte pour un bout de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. N'oubliez jamais que cela fut.